Alors ça fait longtemps que je n'ai pas fait de PvP potion. Mais regardez! Non! Non! Ok, je vais me faire tuer par un abonné. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va rejouer à Minecraft et on va voir un petit peu mon niveau au PvP. Mais quand je parle de PvP, je ne parle pas de rush, je parle concrètement de PvP potion. J'ai vu que la vidéo Minecraft vous avait bien plu, donc on va refaire une. Et puis si vous aimez, n'hésitez pas à vous manifester en mettant des likes, des commentaires et en vous abonnant, c'est très important. Comme ça moi je sais si ça vous plaît ou pas. Comme ça peut-être que je pourrais refaire des lives ou des vidéos concernant Minecraft. Alors pour tourner cette vidéo, je vais tout simplement jouer sur le serveur Mainman. Alors c'est un serveur que j'ai joué pas mal de temps pour faire du potion. Oui, en haut à gauche, c'est pas du tout un hack, c'est mon toggle sprint. J'ai déjà vu des gens s'affoler pour rien, mais c'est juste une modification de l'affichage. De base, c'est marqué toggle sprint on, c'est tout. Bref, alors maintenant, on va mettre les écouteurs, puis on va travailler un petit peu, et puis on va voir ce que ça donne. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de PvP potion. J'ai joué en rush récemment pour faire des vidéos, et ça s'est plutôt bien passé. Mais alors là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de potion. Mais c'est quelque chose qui se garde un petit peu. Je pense que ça va revenir très très vite, à part si je tombe sur des gens beaucoup plus chauds que moi. Ok, donc c'est parti, là on va jouer un petit peu. Et puis tout simplement on va voir ce que ça donne. Ah, déjà si ça bug c'est pas bon. Voilà, c'est quoi cette connexion là? Le but sera de faire un petit montage à la fin de 30 secondes ou une minute avec des clips que j'ai fait durant la vidéo. Mais ça va être assez tendu hein, surtout avec lui là. Bon honnêtement les gars, j'ai pas perdu du tout la main. Mais juste pour les potions j'ai perdu la main. Mais pour ce qui est l'aim et le clic, j'ai pas perdu la main. Mais là c'est juste le mec, je sais pas, on n'arrive pas à ce combo tous les deux. C'est horrible. Regardez. Ah là je viens de me heal sur lui, c'est plutôt pas mal. Ok, GG. Je mérite pas du tout la win hein, bien sûr. Bon ok, je veux des combos. Et là on va voir des combos les gars. Sur ce mode de jeu, la plupart du temps je dégomme tout le monde. Qu'est-ce que je vous ai dit les gars? Là le pauvre il en a pour bah jusqu'à la fin de la game en fait hein, tout simplement. Ok, voilà ce que je vous ai dit. Bon honnêtement le niveau c'est pas tellement perdu. Après bien évidemment il y a des réflexes que j'ai perdu, du style se heal au bon moment, bien se retourner pour heal et prendre la potion et retourner. Mais ça reste quand même globalement propre je trouve. Après j'ai fait que deux matchs. Mais moi ce qui m'intéresse c'est de faire des combos en no debuff. Ah non, non 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 non. C'est vraiment le fight le plus nul que j'ai fait. Il se passe rien, je me fais combo. Mais regardez! Mais le mec il me tape trop loin là! C'est en partie pour ça que je jouais plus en potion. Parce qu'il suffit que la connexion soit éclatée d'un des deux côtés. Et puis tout est niqué, vraiment. Ah là, combo, 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 c'est bon. J'ai plus qu'une potion, est-ce que je vais réussir à faire quelque chose? Ah, là on a un beau jeu. Là les gars, on a clairement un beau jeu. Non! Je pouvais le laminer. Ah là combo, combo, combo. J'en peux plus les gars. En fait j'ai une carte graphique de ouf, mais comme je joue pas trop, bah j'utilise pas à 100% quoi. Genre là je mets des shaders et une render distance de fou et ça passe. Oh je l'ai eu. Alors c'est pas une excuse mais en shader c'est plus compliqué vu que j'ai pas toutes les frames sur mon écran. 144 Hz. Putain je mérite tellement pas la win. Oh, la map elle est tellement belle là. Avec un shader et on voit tout, y a aucun bug, c'est nickel. Honnêtement je pense que le fait de prendre des clips un peu partout de combo ça va être assez difficile et assez long pour moi vu qu'on n'y arrive pas tout le temps quoi. Est-ce...
Alors là les gars, le shader que j'ai mis, je pense que ça va être incroyable, mais je crois qu'il est bugué. Je suis pas sûr. C'est quoi ce merdier? On dirait que je louche. Mais putain. Ah oh là là, les gars, mais j'ai vraiment un shader de fou, vraiment. Mais putain, il rage quitte à chaque fois. Bon, je sais pas du tout si mon montage à la fin va être bien ou pas, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai encore la main sur, sur le PvP pot. Bon, je pense qu'il faudrait tester le mode sumo. C'est un mode que j'arrivais bien à jouer avant et on va voir si j'y arrive toujours aussi bien. Le but c'est de bouger l'ennemi de la plateforme, enfin de le faire tomber du moins, et celui qui prend le moins de KB bah il gagne. Ah, l'eau est très très belle hein. Même si je viens de perdre, ça m'a calmé. Ok, là je suis trop ébloui, putain, on est où là? Ok, je vais me faire tuer par un abonné. Bravo, franchement. Bravo, Julien. Ok, mais pourquoi je mets les pires shaders dans le noir, là, en fait? Je comprends pas. C'est quoi, ça? Tout ça pour me faire soulever! J'ai un glitch sur ce mode de jeu, et là, bah, on le voit bien, le glitch. Bravo! Alors, la technique sur ce mode de jeu, c'est de mettre des coups de S en même temps en restant appuyé sur Z pour avancer, histoire de se stopper, et au bon moment, en fait... Et bah on va pouvoir expulser l'autre de la plateforme. Voilà, regardez, parfait, c'est incroyable, vraiment. Après, la connexion rentre vraiment beaucoup en jeu, c'est à dire que quelqu'un qui aura une connexion avantageuse gagnera plus facilement, hein, comme lui. Lui, mais lui mon gars. Non putain, regardez, 142 ping, 400 ping, c'est impossible. En 2020 avoir ce genre de ping, c'est... Bizarrement c'est que ceux qui jouent à Minecraft qui ont des pings éclatés, hein, vraiment. Aise. Ah oui, le build du HC les gars, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Avant je me tuais à ça, et c'est vrai que c'est un mode de jeu un peu plus tactique que le PvP pot. C'est vrai que ça peut être pas mal des fois. Voilà, on va jouer un petit peu. En plus avec des shaders, alors là les gars... Merde, je prends trop la confiance. Comment il est fort lui? Ah le bâtard. Mais c'est vraiment un chien de la casse lui hein. Putain, mais c'est quoi ces arcs, mon gars? La canne à pêche, putain, il utilise H24, c'est impossible. Mais non, mais quelle honte. Mais quelle honte. Mais quelle honte. Ah ah. C'est moi qui me prends ma propre lave. Mais bon, je peux pas le récupérer. Non mais ça les gars. Bon bah les gars, franchement je joue, mais putain, plus je continue à jouer, plus je rage. Je sais pas si c'est le serveur, si c'est moi, si c'est les joueurs, si c'est juste le jeu qui est rageant en lui-même. Mais putain, c'est horrible. Donc c'est parti pour vous faire un maximum de combos. Je pense que j'en ai fini pour aujourd'hui. Et voici mon chat. Voilà. À chaque fois qu'il passe dans la chambre, je suis obligé de le montrer. Bon, on le pose parce qu'après, il va en avoir ras le cul. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, honnêtement, c'est bien le PVP, mais à petite dose. C'est-à-dire que ça fait très très vite rager. Non! Mais regardez! Non! Mais mis à part ça, je trouve que je me suis bien débrouillé. Je vous laisse me dire en commentaire si vous trouvez que je me suis bien débrouillé ou non. Et je vous laisse me dire si vous aimez ce genre de vidéo Minecraft. Si vous voulez que je reprenne un petit peu, que je fasse des défis ou des choses comme ça, n'hésitez vraiment pas à me le dire. Et n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, tout est en description. C'est très important. C'est là que je donne le plus d'informations sur ce qui va sortir sur ma chaîne ou sur moi-même de ma vie personnelle. Donc n'hésitez vraiment pas à me suivre. En tout cas, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX.